J'ai adoré cette journée. On a visité trois quartiers, le canal, les pyramides et le parc Olive. Aujourd'hui, j'ai appris plusieurs choses sur certains quartiers d'Evry. Par exemple, il y allait y avoir plusieurs renouvellements. La dalle allait être détruite pour refaire peut-être des bâtiments. On a vu des nouvelles choses, on a mangé des nouveaux plats, on a vu des dessins. Et comme Chanel le disait, on a découvert des nouveaux plats comme des cookies, des tiramisu et quelques pains chocolat et croissants. Cette journée, on l'a organisée autour de trois visites. On est passé au parc Olièvre, aux pyramides et au canal, en découvrant un peu les programmes de rénovation urbaine, échangeant aussi dans ces moments-là autour d'un repas qui a été proposé par des associations locales qui ont pu aussi présenter leurs projets. Aussi autour de moments où on a pu découvrir par exemple des fresques du festival Wall Street Art de Grand Paris Sud. Dans le cadre des maisons du projet, nous devions mobiliser les habitants, dont les jeunes qui font partie des quartiers, afin de découvrir leur quartier au travers de la rénovation urbaine et dans un moment culinaire. La place des jeunes est importante parce que c'est eux la population de demain et c'est eux qui doivent maîtriser leur environnement et être force de proposition. On trouve que c'est génial, déjà en termes de bien-être, parce que les jeunes ils marchent, ils font le tour des quartiers, c'est très très bien. Ça évite déjà qu'ils soient sur les jeux vidéo ou en tout cas c'est bien, c'est une bonne démarche. Le fait d'assembler les quartiers, de prendre les quartiers du parc Olièvre, du canal et des pyramides, donc c'est aussi une manière de lutter contre les rixes hein, et toute forme de violence. Et puis ça les assemble et ça leur permet de se connaître aussi. Donc pour nous, la démarche est bonne. Les partenaires, donc il y a la ville, Grand Paris Sud, les maisons de quartier et les associations, Conseil citoyen du canal, il y a Evry Femmes d'Espoir sur le quartier des pyramides. Très sympa. Rassemblement et si je pouvais ajouter un mot, j'aurais dit fraternité. Enrichissant et passionnant. Très très bien.